Marie, enchantée. Mode, make-up, life, conseils. Ici, je partage que du positive vibes, alors bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que vous êtes droit? J'ai pas l'impression. Hop! Hola! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un haul. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de haul sur ma chaîne et je sais que ça vous plaît beaucoup. Surtout que là, ça a beaucoup d'utilité parce que c'est vrai que Noël approche. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une wishlist de Noël parce que ça peut grave vous aider aussi. J'ai vraiment trouvé des petites pépites. Donc c'est parti quoi, j'arrête de parler. J'avais envie de changer un petit peu, de ne pas vous faire un haul traditionnel, vous allez voir pourquoi. Chose que je ne fais jamais ou rarement. Deux applications, il y en a une que vous connaissez certainement parce que j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai qu'on me demande tout le temps où est-ce que je prends mes cours, donc je vais vous la remontrer ici et vous en reparler vite fait. GoodNotes 5, c'est vraiment trop bien comme application. Elle coûte 9,99€, vous la payez une fois et après vous la payez plus du tout, donc moi je trouve ça pas excessif en soi. C'est vraiment trop cool, je vais vous montrer des exemples de ce que j'ai fait par exemple. Un exemple de cours où vous pouvez vraiment marquer au stylet, faire des cours comme ça, écrire de couleurs, c'est top, vraiment j'adore cette application, je suis vraiment super contente de l'avoir achetée. Pareil, quand vous surlignez, vous pouvez surligner avec votre stylet. Et vu que c'est pas droit, bah c'est pas grave, l'application va vous la remettre droite, vous voyez. Il y a plein de types de feuilles à carreaux avec des petits points. Une autre aussi, vous connaissez certainement, c'est WeTouch. En gros, c'est pour effacer certaines choses que vous avez sur des photos. C'est très utile quand vous en avez besoin, par exemple cette photo là. Et bien avant il y avait des gens derrière et du coup moi je les ai effacés. Voilà, c'est très pratique quand même qu'on se le dise. Et celle-ci elle a coûté 2€ je crois. Pendant que j'y pense aussi, sur mon bureau j'ai acheté ça. C'est en fait un distributeur à scotch. Voilà, ça, c'est gadget qu'on se le dise. Chez Flying Tire. Et je trouvais ça super beau avec les petites billes à l'intérieur qui sont pas celles qui me correspondent très bien. C'est pratique, voilà, un petit distributeur à scotch. J'ai dû payer ça 3€. Et puis pour rester encore chez Flying Tiger, j'ai pris deux carnets. Un premier ici, donc j'aime bien parce qu'en fait il y a les couleurs sur des pages et c'est cool. Là c'est plus quand je fais des partenariats pour marquer vraiment le brief, reformuler à ma façon, reprendre les points clés et tout. J'ai aussi pris un mini bullet planner, même si moi je vais pas me servir en bullet journal évidemment. Et là en fait c'est vraiment pour marquer, bon il y a déjà un icône YouTube que j'ai encore rien marqué. Mais voilà, c'est pour marquer mes idées de vidéos en fait que je vais lister là-dedans. Niveau make-up, une pépite. Donc c'est ma maman qui me l'a offerte en surprise, c'était trop cool, j'étais trop contente. Donc ceux qui me suivent en story Insta, ils ont dû déjà la voir, ouais. Parce que c'est vrai que je montre souvent les petits trucs que je m'achète, les petites nouveautés que je reçois et tout. Mais du coup, je l'ai pas montré ici sur YouTube. Attention. Vous allez comprendre qu'elle me correspond très bien. C'est la ABH Normina, la volume 4. Elle est assez grosse, regardez, par rapport à ma tête. Du coup c'est pour ça que je vais aussi me maquiller avec là et je vais vous montrer. Oula, vous voyez mon trépied. Ah oui, le trépied aussi, c'est... j'en ai acheté un nouveau parce que mon autre trépied était cassé. C'est un Amazon basique, il a coûté 30€ je crois. Il est génial. Du coup on repasse à la palette, elle est trop belle. C'est vraiment une palette assez colorée avec du rose, du violet, du lilas, du jaune. Bah on va tester ça. Écoutez, on est bon, elle est magnifique. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est magnifique. Elle est hyper pigmentée, elle fait pas de chute. Moi j'adore, elle vient de chez Sephora pour ceux qui sont intéressés. En plus, c'est bientôt Noël quand même. Donc si vous ne savez pas quoi demander, si vous voulez une palette hyper cool pour Noël, bah voilà quoi. Ah oui, aussi toujours dans la beauté, elle m'a fait offert avec la palette ma maman un parfum. Enfin c'est un petit truc de parfum, une petite fiole. Ça sent trop bon, regardez, c'est ça. Trop trop bien. Vous savez c'est les parfums Kayali. Vous avez un côté où c'est un parfum et l'autre côté c'est un autre parfum. Et en gros c'est un petit roll-on. Mmh, là, ça sent trop bon. Et c'est cool parce que ça vous permet vraiment de tester avant d'acheter le gros parfum qui est quand même un coup. Je regardais mes commentaires parce que je viens de sortir une vidéo YouTube. Et YouTube m'a désactivé les commentaires. Oh là là, ça m'énerve quand ça fait ça, ça m'énerve. Mais du coup, ça a l'air d'être bon ou pas? Non, ils sont encore désactivés? C'est pas possible. Ah non, c'est bon, ils sont autorisés. Ouf. Bref, du coup, on passe aux accessoires. Alors, du coup, j'ai déjà ça. Bon, on va fermer le placard parce que bon. Un sac trop canon qui vient de la marque JWP, je sais pas comment on dit. En fait je me baladais sur Pinterest et il y avait des annonces sponsorisées et je me suis fait savoir. J'ai craqué du coup, mais il est canon, regardez. C'est un sac bleu comme ça, un sac baguette. En plus c'était hyper bien présenté parce que c'était dans un petit pochon comme ça. Bleu comme ça, vraiment c'est très moi. On continue les accessoires. Ce chapeau, attendez je l'ouvre quand même. Hop, un chapeau comme ça, j'adore. Je n'avais pas ce chapeau et je trouve ça
trop beau. Donc là c'est un chapeau qui vient de chez Minelli, il est en laine, du coup il est extrêmement chaud pour l'hiver, ça va être trop cool. Je l'ai payé par contre une blinde, mais quand je dis une blinde, c'est une blinde, il me semble qu'il a coûté 69 €. Ça m'a fait mal, mais je me dis bon bah c'est trop beau, c'est en laine, ça va tenir chaud, je le mettrai très souvent et surtout pendant longtemps parce que ça enfin quand t'es adulte, je suis déjà adulte en soi, j'ai 18 ans, mais bon, 18 ans. À l'heure où je tourne la vidéo, parce que je pense que quand la vidéo sortira, je n'aurai plus 18 ans. J'aurai eu 19 ans hier, le 29 octobre, voilà. Je le trouve trop beau, les détails sont vraiment hyper bien faits. Toujours sur la tête. Nous avons un petit bonnet qui vient de chez Pull&Bear. Bah je l'aime trop, il est camel, marron, trop beau. Regardez, en plus je trouve que... Que j'ai une tête à bonnet en fait, c'est vrai, j'aime bien. J'aime bien les bonnets sur moi et voilà, celui-ci il a coûté 5 € il me semble, donc chez Pull&Bear. Et je peux vous dire qu'il me tient bien chaud parce que quand il fait froid le matin, c'est très utile. Chez Longchamp, j'ai acheté cette petite pochette. Je trouve trop cute, trop mignonne et trop pratique pour mettre mon iPad parce que moi du coup mes cours je prends avec l'iPad. Et du coup quand je vais à l'UT, bah comme ça je prends juste ce petit truc là. Et c'est très pratique, surtout qu'elle était à moins 50% il me semble. Ça vaut grave le coup encore une fois, j'ai dû la payer 40 € je crois, quelque chose comme ça. Et voilà. Canon, hyper original, Longchamp, il y a écrit Longchamp ici. Et c'est hyper, hyper dynamique, je trouve. Enfin, Longchamp, on peut avoir une image de Longchamp assez ancienne, assez vieille, mais alors que pas du tout. Ils sont vraiment, vraiment redynamisés, réactualisés. Ils sortent vraiment des pièces magnifiques. Moi, j'adore Longchamp, vraiment. J'ai plein de sacs de chez eux. Mais voilà. Niveau vêtements, il y en a pas mal. Ah bah déjà on va commencer par ce pull, trop beau, trop canon, qui vient de chez Bou. Un pull, c'est très tendance en ce moment, les pulls sans manches et vous mettez une chemise en dessous. Celui-ci était aussi en promotion il me semble, donc je sais plus le prix exact, je suis désolée. Mais de toute façon sur Bou il y a toujours des promotions. Et toujours chez Bou, nous avons aussi ce gilet, enfin ce gilet pull qu'on peut porter en pull ou en gilet. Moi personnellement je le porte toujours fermé avec un col en V et il est bleu et il est trop canon. D'ailleurs je vous avais posté une story insta avec et vous avez été vraiment nombreux à me dire que ça m'allait trop bien. Et j'avoue que je trouve que ça me va bien aussi. Un pantalon de chez Bershka, celui-ci, qui est pas trop pour la saison, en plus il est assez froissé, faut que je le repasse. Mais c'est un pantalon, vous savez, une matière assez fine en fait et un pantalon assez fluide. Je vais pas vous montrer porter celui-ci parce qu'il est assez froissé, ça va rien rendre sur moi. Il était aussi en solde, alors celui-là je me souviens je l'ai payé 10 €. Voilà, à la base il coûtait... Ah bah ils ont caché le prix. En pull, j'ai aussi un autre que j'ai acheté chez H&M, mais sur le site internet. Et il est... Mes pépites, il est énorme, il est beige, il est trop beau et il tient super chaud. Et il était pas trop cher, il a coûté 25 €. Voilà, c'est celui-là. Regardez, trop beau, j'adore, c'est un énorme pull en maille et ça pour l'hiver. On n'est pas encore en hiver mais on s'y prépare, on s'y prépare. Mais c'est canon, c'est hyper chaud et tout. Rien à dire quoi, il est assez court en plus, donc ça c'est cool, il est pas trop long. Bon... Pour ici, c'est fait, on va aller vers mon portant maintenant. Parce qu'il y a une petite veste à vous montrer qui est trop belle. Bon, faut que je vous montre. Venez, allez, hop. Alors, au niveau des vestes, j'en ai une nouvelle à vous montrer du coup, que j'ai acheté chez Pull&Bear. Enfin, que mon beau-père m'a offert plutôt. Elle est trop belle. Regardez-moi ça. Très automnale quand même. Elle est marron avec des petits carreaux en motif et des petits boutons ici. J'ai pris en XS. Et puis voilà quoi. J'adore, j'adore. Et ça, vous mettez ça avec un pull beige. Trop beau. Même avec le pull que je vous ai montré tout à l'heure, ça pourrait être canon. Des petites boots que je vais vous montrer juste après qui sont magnifiques aussi, ça serait canon. En vrai, chez Pull&Bear, j'aime beaucoup mieux leurs vêtements qu'ils proposent en hiver, automne qu'en été. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que vraiment en hiver et en automne, c'est vraiment trop beau ce qu'ils présentent. Mais en été, ça va. Ouais, il y a des trucs beaux, mais bon, c'est pas ouf comme en automne ou en hiver. Du coup, voilà les boots que je vous parlais tout à l'heure. Elles sont trop belles aussi. Donc, elles viennent de chez Minelli. En fait, je les avais achetées en même temps que le chapeau. Et donc, elles sont en cuir, celles-ci. Donc, elles sont de très bonne qualité. Faut vraiment penser à les imperméabiliser, ce que j'ai fait. J'aime beaucoup mettre ça avec une robe pull ou même avec un jean mom, un jean slim. En soi, ça va avec tout. Et j'adore. J'avais pas de bottines comme ça. J'avais presque pas de bottines. J'avais que des baskets, en fait. Du coup, ça change. Et je les trouve vraiment canon. J'avais acheté aussi une coque pour un Mac, le problème, sur AliExpress, donc hyper contente, tu vois la couleur trop belle. Le problème c'est qu'ils se sont trompés dans la taille de mon ordinateur. J'ai sélectionné 15 pouces et ils m'ont donné 13 pouces. Du coup bah je vais renvoyer parce qu'on peut y renvoyer, mais je suis dégoûtée. Je pense que je vous montrerai le rendu sur mon Insta en story, je pense que je la recevrai. Et c'est vrai que du coup là je peux pas bien vous montrer, mais c'était une couleur violette un peu, violette bleue et c'était trop beau. Une coque pour un Mac, c'est trop beau quoi. Aujourd'hui, on est vendredi. C'est des vacances pour moi du coup. Je viens de rentrer de cours et regardez ce que je viens de recevoir. C'est mon iPhone, l'iPhone 12, je l'avais précommandé et du coup je l'ai reçu, donc je vais ouvrir avec vous. Trop hâte, trop hâte. J'ai trop hâte, j'ai pris le noir en 128 Go. Si vous le souhaitez peut-être pour Noël, je sais pas, ça va peut-être vous conforter dans vos choix et tout.
Donc du coup bah, c'est parti. En même temps je fais un petit TikTok aussi, un TikTok unboxing. Je prends mon petit ciseau. Apparemment il n'y a pas de chargeur je crois. Il y a pas de... y a juste un câble en fait. Mais vous êtes mal cadré là, faut que je mette plus haut. Oula, je suis floue. Bon moi personnellement j'ai des AirPods donc ça va pas trop me servir. Mais bon, je vais quand même les garder. Attention, on va l'ouvrir. Oh my god, il est trop beau. C'est un bout un peu carré, un peu épais. Et bah moi c'est ce que je kiffe justement. Un peu comme l'iPad Pro en fait, c'est exactement ça. Oh, il est magnifique. Regardez, il y a du... Oh, vous voyez ma caméra là. Voilà, voilà quoi. Et du coup moi je l'ai acheté chez Bouygues en prix préférentiel. Donc en gros c'est des moins chers. C'est en 128Go, je l'ai payé 709€ il me semble. Alors qu'il coûte presque 1000€ sur Apple. Et en fait c'est parce que je suis cliente chez Bouygues depuis un petit moment. Et aussi le truc qui est cool c'est qu'en fait moi dans ma famille on fait un... on a une démarche assez écologique on va dire. Parce qu'il y a... moi j'achète un nouveau téléphone. Mais du coup je revends le mien à ma mère qui revend le sien à mon beau-père. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que vous avez kiffé mes articles et aussi la façon dont je l'ai faite. J'attends de toute façon vos retours en commentaire, n'oubliez pas. Viens me rejoindre sur Instagram, je suis ultra active, surtout que normalement il y a des concours qui vont arriver au mois de décembre. Donc c'est trop génial et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus dans le bus.